Good job. President, please visit it. The chamber is now back in session. Reprise de l'audience. And I would like to give the floor to the defense counsel to put question to the witness. La parole est à l'équipe de défense. And first of all, the floor is given to the defense counsel for Nguyen-Chir. And the chamber also would like to inform parties that I didn't get a translation. La traduction n'est pas passée vers l'anglais. La chambre va ainsi poursuivre. And the l'audience. Floor now is given to et the la parole defense counsel est to put question de to the civil party to the witness. De qui va interroger le and témoin. First of all, à commencer, the floor is given to the defense counsel for Nguyen-Chir. L'équipe de défense de Nguyen-Chir. And the chamber also. Would like to inform that this la morning the chamber used the pseudonym matin, for il faut witness 960 le pseudonyme pour désigner le rather de witness 1066 1066 and that document E3/10/684 that if excerpts are extracted from these two documents, the hearing si must be made unpublic. Another floor is given to de defense counsel for Nguyen-Chir. De citer ces documents, l'audience peut avoir lieu en audience publique. Thank you, Mr. President. La parole est à présent à la défense de Nguyen-Chir. La défense de Nguyen-Chir. Monsieur le Président, de fait. I think the ruling was a bit unclear. Juge Fenn, je crois que la décision n'était pas claire, Maître Choeun. Il me semble qu'il était clair pour moi, mais je vais quand même vous poser une question. As I understand, de ce que j'ai cru comprendre, the witness will only be referred to on ne désignera by le pseudonym, témoin que sous son pseudonyme. Once et I confront this witness with an excerpt, si we je souhaite confronter doors, ce témoin à un extrait, with me. So nous I will devons save le faire my à huis clos, until ce the qui end. Est tout à fait possible. However, je vais donc garder mes questions à ce propos note, pour la fin. J'ai toutefois une remarque à, fait, à faire, pardon, qui est la suivante. The question that I will la question que je vais poser, ou les questions que je vais poser à ce témoin et les extraits auxquels je vais le confronter, probably or sont potentially probablement ou possiblement relevant to pertinent the Supreme Court chamber. So, pour la chambre de la Cour suprême. The doors, donc, then, si nous procédons à huis clos, is following quiconque est en train de suivre le débat will not au be able nom de la chambre de la Cour suprême ne sera pas en mesure I d'entendre la réponse. C'est pourquoi je ne sais pas si la réponse relevant, but potentially. So, je ne sais pas si la réponse sera pertinente I like ou non, mais il est possible qu'elle le soit. C'est donc un problème sur lequel je tenais à attirer la chambre, l'attention de la chambre. Juge Fentz, nous pourrons voir cela thank you. En temps good morning, Mr. Witness, I don't have any bonjour, questions moi, for you, just a few follow-up questions as well. Let me start by asking you, Mr. Et pour Witness, commencer, le témoin, do je voudrais vous demander la chose read suivante. And write? Est-ce que vous savez lire et écrire? Réponse. I can write. To je some sais extent. Écrire dans une certaine mesure. And as for reading, I et can also read to lecture, some extent. Je sais aussi lire un petit peu. Mr. President, with your leave, I would like to Maître show. Copa, Monsieur le Président, avec votre autorisation, witness, je souhaite montrer au témoin un extrait from, document du document E3/1170.
English ERN 00602544 and following et Khmer 00444 3016 1 7 and French 06544 895 pour le français. President, your request is granted. Allez-y. Mr. Witness, I am showing you Monsieur le témoin, je suis en train de vous montrer un organigramme of what is wrongfully called the Northeast Zone Army. It should be the Northwest Zone Army. Il s'agit de l'organigramme de ce qui a été appelé l'armée de la zone. Nord-ouest. The reason why this is obvious, Mr. President, is not only because of all the names mentioned there, but also reference to typically, cities and villages in the Northwest Zone, such as Bailin, Kreng, etc. So the author of this organigram mistakenly s'est trompé en disant armée de la zone nord-est. En réalité, il s'agit de l'armée de la zone nord-ouest. L'erreur ne semble pas concerner la version française. If you can have a look at this document, si vous pouvez, let me guide you through the document a bit. Consultez ce document, monsieur le témoin, je vais vous donner certaines indications. Division 1, il est écrit division 1 division 2. Et division 2. Now let me start with the names je vais commencer that you par can les see, noms que vous voyez headed under Division 2 et qui apparaissent sous l'intitulé Division 2. I can read the names in English. They say je vais lire les noms en anglais. Respectively, number respectivement, one, Kleng, Kleng. Number two, numéro 2, Khoi. Khoi. Number three, numéro 3, Ren. Ren. My question to you is the following. Et ma question, monsieur le témoin, est la suivante. Answer in your WRI 58, you refer to Sarun, or also known Sarun, as Ren. Connu également sous le nom de Ren. Is this in fact cette personne, the commander Ren that you have been referring to? N'est-elle pas le commandant Ren? Cette personne à laquelle vous faites référence, s'agit-il bien de Ren? Can I ask you something, witness, following je up what counsel said? Can you read this organogram? Savez-vous pour rebondir sur ce qui a été dit bit? Par la défense, vous avez dit que vous savez lire un petit peu. Est-ce que vous êtes en mesure de lire cet organigramme? Meaning the paper in front c'est-à-dire of you. Le document que vous avez sous les yeux. Pouvez-vous le lire? Or can you not? Ou pas? I saw the names, but I do not understand. J'ai vu les noms, mais je ne comprends pas. I understand it's a bit difficult. Let me take it step by step. Procédons par ordre. In your WRI E3/10681 in question and answer 58, question réponse 58. You talk about vous parlez the commander
of the division. Du commandant de la division, et vous dites que son nom c'était Sarun, alias Ren. Alias Ren. And when you now go to the document I'm showing you, et the si vision vous prenez le document que je suis en train de vous montrer, vous verrez que sous division 2, il apparaît le nom Ren de mentioned. Ren. So you can see one, Kleng, who was the secretary of division 2. Koi, who is the deputy secretary of division 2, and Ren, et Ren a member of division 2. De la division 2. Is he the one you talk about, or rather, est-ce que c'est de is lui dont Ren vous parlez? The one who is mentioned in ou alors, as the leader of regiment Ren 70 est-il below? Le dirigeant de, du régiment 70 Ren, qui apparaît juste en a bit dessous, down, ou un peu plus loin, on a encore un autre Ren qui lui était basé à Pailin. So my question is when you speak about donc, lorsque your, vous parlez about division de commander, Ren, Sarun, vous parlez alias Ren, de Sarun, do you alias see that name Ren, commandant in that de division, organigram est-ce que ce nom I apparaît showed. Sur l'organigramme que je vous ai montré? Yes. Réponse, oui. And Ren, Sarun alias Ren, is that alias the number Ren. 3 est-ce que c'est of bien division 2, de la the division member 2, of le membre. The highest command of division 2, du is that correct? De la division 2. C'est exact? At this point, I do not know which division he belonged to. Je ne sais pas à quelle division il était rattaché. I only knew when the event in which Ren was involved. And that's what I knew. Je ne savais but as for which division he was part of, or where he came from, I had no idea. La division à laquelle il était rattaché, là d'où il venait, tout cela, je ne savais rien. Do you know when this particular division question, was named? Savez-vous à quel moment cette division two? A été nommée you know, division 2? When that came about? Savez-vous à quel moment cela a eu lieu? Réponse. I also je ne sais pas. Did not know. Non plus. Thank you, Mr. Witness. Now, on that very same page. Question, Monsieur le témoin, apparemment à partir. On the left side, you can also see sur cette même page, vous pouvez voir qu'il y a des noms de personnes qui sont rattachées à la division 1. It says that. Nong Sarim, alias Sun, il est dit que Nong Sarim, alias Sun, était le secrétaire de la division 1. No, its deputy secretary, le secrétaire adjoint. And three, et en numéro 3, Choeun, on a Choeun, Choeun, its member. Membre. Do you see those three names? Voyez-vous ces trois noms? Yes, I saw the names on the paper here in front of me. Sur le document que j'ai devant les yeux. But I do not know which divisions they belong to. J'ignore à quelle division ces personnes sont rattachées. I did not know them either. Et d'ailleurs, je ne les connaissais pas. I only saw their names on the paper in front of me right now, but previously I never knew them. Je ne vois leur nom que maintenant sur le document. Auparavant, je ne les connaissais pas. So just to be sure, I'm particularly interested in question. Number 3. Alors pour être certain, Choeun, celui qui m'intéresse Choeun. C'est le numéro 3, Choeun alias Choeun. This is someone that you didn't know c'est donc quelqu'un at the que time vous ne connaissiez and you pas didn't know à l'époque et que vous ne connaissiez pas non plus par la suite. C'est exact. Counsel l'accusation, j'ai une question. Alias, vous avez dit Choeun alias, d'où vient l'alias? He said Choeun alias Choeun. Choeun. Correct, it's not from the document, it's from the OCIJ list. So if, Maître Coe, if effectivement, I have to ça ne vient pas du document, part, mais de la no liste problem, du but, bureau des juges d'instruction, je peux tout à fait retirer cette partie de ma question. Choeun, ce Choeun en question is named
as number 6,336 on the OCIJ list. His name is Choeun, alias Choeun, commander of Division 1. Commandant de la Division 1. So that's where I have the alias from, but voilà, I'm happy to limit myself to Choeun. Mais je peux tout à fait me limiter Mr. Witness, so the Division 1 commander Choeun is someone who is not known to you, correct? Une s'appelle Choeun, et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est exact. Yes, correct. Now let me follow up the issue question. That was raised. Attends, je vais revenir sur une question. Président, veuillez attendre notre coupeur. The floor is given to la parole est donnée au juge Lavergne. Oui, je suis désolé de vous interrompre, Maître Copé, mais pour les besoins du transcript, est-ce que vous pouvez nous dire s'il en sait, quel est l'auteur de cet organigramme et quand est-ce qu'il a été établi? Organigram is and when it was created. Et d'où vient ce document? Where does this document come from? It's not entirely clear, but presumably it's a document. Apparemment, ce serait un document. On peut présumer que c'est un document. Originating from an S21 cadre. Émanant d'un cadre de S21. We have discussed this document. Ce document a été discuté, il me semble, avec Duic. Je crois. But I'm not entirely sure. It is coming certain. From a notebook, but I'm not quite sure who the author d'un is. D'un cahier de notes, mais je ne sais pas exactement qui en est l'auteur. In addition, I might add that it might be en outre, je puis également ajouter que c'est peut-être un document. Notebook as well, ou un cahier qui date d'après 1979, in which an overview was made after 79. C'est un carnet dans lequel un aperçu, dans lequel figure un aperçu, en tout cas c'est ce que semble suggérer le CDCAM. Donc soit ça vient d'un cadre de S21, soit ça vient de CDCAM. C'est dans le titre, dit la juge Fens, ça vient du CDCAM. At least in the when you open the documents, it's identified as a DCCAM document and as a Khmer Rouge plaque. I'm just trying to open it now, plaque journal, I think. Correct, but it's a bit odd in its the description, yes. In its description. So I'm not entirely sure if it is in fact a DCCAM document or rather que cela soit un document du CDCAM ou, je ne sais pas, c'est peut-être un document qui appartenait à un cadre. Mr. Witness, I was going to refer to an issue that was discussed last Thursday. Donc, Monsieur le témoin, je m'apprêtais à aborder une question qui a été soulevée jeudi dernier. On vous a lu un extrait. Cet extrait était tiré d'un livre dont l'auteur est Tet Sambat et son Tet Sambat est Gina Choeun. It was suggested that the quote which was read out to you et la citation qui vous a été lue had originated from you. Eh bien, il a été suggéré à son propos que c'était la vôtre. Clear in, que c'était vos propos et comme je l'ai hearing, dit clairement the other filmmaker, Robert Lemkin, Robert Lemkin is saying l'autre that, réalisateur affirme que cette citation never came from you. N'est jamais sortie de votre bouche. I object. L'accusation, objection. Counsel is testifying. La défense est en train de déposer et en plus de façon erronée le email de M. Lemkin. Je ne sais pas s'il est confidentiel ou pas. With the email itself being part mais of the record. Le email peut tout à fait faire partie I de nos débats. Parce que la défense a son interprétation, j'ai la mienne, et Lemkin, rather, il semble clair que M. Lemkin disait que l'on promettait aux gens une certaine confidentialité, donc ils ne doivent pas être nommés. Mais en tout cas, Robert Lemkin ne dit pas, j'ai oublié le libellé exact qui a été utilisé par la défense, que ce témoin n'a jamais dit cela. Ce n'est pas ce que Robert Lemkin dit dans son email.
I presume that your memo automatically by itself part of the case file. Que votre mémo if it's not, then I'm happy to read it into the transcript. No, no, si ce n'est pas le cas, je peux lire la transcription. Juge Fentz, non. It's obviously part of the case file. The question is, is it confidential or public? Mais la question se pose de savoir si c'est public ou confidentiel. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, mais manifestement, vous l'avez. I don't think it's confidential. Doesn't say Maître so. Maître Coppe, ça n'est pas écrit confidentiel. Je ne pense pas que ça soit sorry. Confidentiel, juge Fent, parce que je pense que dès lors que les noms sont mentionnés. Again, it's your memo, so you Maître should Coppe, say. À nouveau, you should c'est tell votre me if memo, it's confidential. Donc dites-moi yes or no. Si c'est confidentiel ou pas. And I'll ask staff to do this immediately. Could you please use something else in the meanwhile? Au personnel de vérifier. Yes. Dans l'intervalle, veuillez s'il vous plaît poser une autre question. So you were read out, as I said before, a quote from Ted Sambat's book. Comme je vous le disais, on vous a posé une question au sujet d'une citation de Ted Sambat, et le juge vous demandait si c'était vous qui aviez dit cela. Vous avez dit non. Mention is being made in that quote of dans cette citation, Choeun, on fait mention Choeun, de Choeun, the vision Choeun, commander. Choeun, commandant de la division. Let me backtrack a bit. Were you present? Remontons un peu le temps. Étiez-vous présent when a person named on that same page 106 of Ted Sambat's book, ERN 0075-7532? 5-0-0-8-5-8-3-4-2 French 0084-94-37 page 106 de ce même livre de Ted Sambat apparaît un autre nom. In that book we can dans read ce livre, about Choeun Zafut, on voit who was, Choeun Zafut, according to the book, head of the hospital d'après le livre, in his region lui, in Battambang. Chef de l'hôpital dans sa région à Battambang. You yourself speak vous. About vous parlez Choeun Zafut. De Choeun Zafut. Question and answer 163. But 163 were you present votre when votre audition. Mais filmmakers la question est la Lemkin suivante. And Sambat les réalisateurs Lemkin et Sambat se sont entretenus avec Choeun Zafut, étiez-vous présent? Et où étiez-vous présent lorsqu'ils ont interrogé Choeun Zafut? Khnyom at dang. I do not aware of this. Well, when the filmmakers asked Choeun Zafut or Choeun Zafut questions, lorsque les réalisateurs ont posé des questions à Choeun Zafut ou Choeun Zafut, est-ce que vous étiez présent dans la pièce? No, I was not there. Let me then ask you question. What you said yourself about Choeun Zafut. Eh bien alors, je vais vous poser des questions au sujet de ce que vous avez vous-même dit à propos answer, de Choeun Zafut. Comme 163, je l'ai dit, la réponse pertinente est la réponse 163. Choeun Zafut is living in Rumlek village, dans le village de Rumlek, Rumlek commune, commune de Pokan Rumlek, district, district de Pokan, province. Province de Pursat. He stayed with me, but his parents were taken to be killed when he was in Battambang. Did Choeun Zafut tell you about any event which occurred in Pokan district before he went to Battambang? No, he didn't. Do you recall saying this to the investigator? You talked about Choeun Zafut. Vous souvenez-vous avoir parlé de Choeun Zafut? Yes, I can recall it now. Réponse, oui, about je me rappelle maintenant. Je me rappelle de Choeun Zafut. When I was transferred to work as a worker at lorsque the railway station, I met Choeun Zafut. I did not know when he arrived, à quel moment il était but arrivé. I met him there. Mais je l'ai rencontré là-bas. Choeun Zafut was from Rumlek. Choeun Zafut venait de Rumlek. And he was
imprisoned during Lon-nol war time. Et à l'époque de la guerre contre Lon-nol, and il after avait été the war ended, he joined cessé, to be the railway worker. Il est devenu ouvrier ferroviaire. And he was from Rumlej. Et il venait de Rumlej. Later on, plus tard, he never went to visit his homeland. Il n'est jamais retourné visiter. He's from Kampuchea Krom, and sa terre natale. Il the Kampuchea Krom people were purged. Les gens de Kampuchea Krom ont fait l'objet d'une purge. And after the Vietnamese liberated the country, et après que les Vietnamiens ont libéré le pays, we realized that his parents had been killed. Avaient été tués. I met him at the during the time when we were workers at the railway station, and we remained together there. Et nous sommes restés ensemble là-bas. Thank you, Mr. Witness. This is all about Choeun Samut. Tout ceci porte sur Choeun Samut. Did Choeun Samut ever tell you Choeun at one point in time that à un moment donné, vous a-t-il jamais dit was the head of the hospital in the region in Battambang? Dans sa région à Battambang. No. Réponse non. Choeun Samut was never be a medic. N'a jamais the été one médecin. Whose name was Choeun Samut that remained with me, he was an ethnic Kampuchea Krom. Du Kampuchea Krom sur le plan ethnique. He told me not to tell anyone that he from Kampuchea Krom. De ne dire à personne qu'il venait du Kampuchea Krom. He never held any position il n'a jamais occupé as a unit chiefs de fonction or cooperative de chiefs. Chef he was simply just a worker like c'était me. Un simple ouvrier comme moi. So the Choeun Samut you know question, donc le Choeun Samut que vous never connaissez told you ne he was a medical doctor or the chief of the military hospital de in Battambang, militaire de Battambang. Or had a high-ranking function ou qu'il occupait un poste à responsabilité dans la division 1. Un poste gradé dans la division 1, n'est-ce pas? Réponse non. That's correct. C'est exact. As far as I know him, because he lived in the nearby village to mine. He never learned any medical studies or training. Il n'a jamais eu de formation médicale. I met him ni d'éducation dans when ce I was joining the railway workforce, and we remained working there together. De travail ferroviaire et nous sommes restés travailler là-bas. Thank you, Mr. Witness. Now, just to be very clear on merci, this. Monsieur le témoin, pour que tout soit vraiment clair. You said you were never vous present. Vous avez dit que vous n'avez jamais été présent. Lemkin and Ted Sambat's interview with pendant Choeun l'entretien de Robert Lemkin et Ted Sambat avec Choeun Samut. In your encounters with Robert Lemkin mais and Ted Sambat, vos rencontres avec Ted Sambat did et they Robert ever Lemkin, speak about Choeun Samut jamais parlé de Choeun having Samut told them et du fait que Choeun Samut leur avait dit que Ross Nim leur avait donné l'instruction the division 1 commander the name that I just mentioned on the organigram celui que je vous ai mentionné qui apparaît sur l'organigramme to contact Thai communists leur avait donné l'instruction de contacter les communistes Thai start psychological war etc de commencer une guerre psychologique etc is that my understanding est-ce que should that be j'ai my bien understanding compris est-ce que je dois comprendre Ted Sambat and Lemkin que Ted Sambat never spoke et Robert to you Lemkin about ne vous ont jamais parlé Choeun Samut de Choeun Samut and what Ru Nim had instructed his division commander one Choeun dit ou de l'instruction que Ross Nim avait donnée à Choeun. No. Réponse non. Now, Mr. President, I'm revisiting Monsieur le Président, your memo. Je vais
revenir sur votre memorandum. You quote from Lemkin's email, and I would like to see if I can discuss that. Et j'aimerais savoir si je peux examiner cela. Juste une seconde. Confidential currently, but we are. La juge Fens. Ceci est confidentiel pour le moment. Is the to reclassify this public? Is there any objection to reclassify this memo as public? Pour reclassifier ce memorandum? No. En tant que memorandum public, l'accusation? Non. Quoi, avocats principaux? Non. Defense team? No. Obviously not this defense team. De toute évidence, non. The chamber decides to recategorize the document into a public. And for that reason, the parties may use this document in the public session. De sorte que les parties puissent l'utiliser en séance publique. Thank you, Mr. President. Maître Coppé, the question merci, has been answered, asked and answered. Je pose la question for the record and for the public, réponse, mais pour le it is your public, memo of 27 September to all parties. And in paragraph 2, the chamber refers to an email sent to WESU on the 1st of September 2016 by Robert Lemkin. Let me quote from this. Thank you. Thanks for your emails. Merci pour votre courriel. For reasons given many times to the court previously, I cannot accede to either request, disclose the identity of W4, communiquer l'identité de W4 et communiquer les séquences vidéo sollicitées. And then it comes with regard to your second more recent set of requests. Votre deuxième série de requêtes plus récentes, Choeun et Choeun, are incorrectly named on pages 104 and 106 respectively, aux pages 104 et 106 respectivement, Behind the Killing Field, a book I had nothing to do with. Un livre, un ouvrage avec lequel je n'ai rien à voir. I was careful to say that W1 in my earlier notes was person sick, between brackets named as in tune on page 104. Mon dernier moment, memorandum, il s'agit de in tune. That is not his real name, and I'm not free to divulge his real name. However, the investigation units has been provided with so many clues, I'm sure they can make their own inquiries. End of quote. And for the record, parvenir à leur propre conclusion. Mr. President, fin de citation. If one reads the actual quote, Monsieur le Président, in the opinion of the defense, there can be no misunderstanding as cette to citation the tune réelle ne that laisse Johnson aucun doute is referring to, namely, not this tune who is testifying today, auquel on fait référence, ce n'est pas le Choeun dont on parle aujourd'hui, mais le Choeun qui était commandant de la division 1, et dont le nom apparaît non seulement sur la liste du BCJ, mais également sur l'organigramme. Well, there's a time for argument. I think that's at the end of the case. L'accusation, il y a un moment but pour les counsel's arguments, theory is unsupported. La thèse the person he talked la about on the OCIJ list is named Oak. Choeun, a completely different name. Parle, so I understand that he's not happy with what the witness has said. Je crois qu'il n'est pas but avec what ce we know is témoin. That what's said in the book, savons, this witness, Chil Choeun, did not say. D'après ce que dit l'ouvrage, ce témoin ici, Chil Choeun, ne l'a pas dit. Again, it's not terribly important, but la défense n'est pas terriblement the public important, should know that mais le public doit savoir the person who interviewed both Choeun Savut and also this witness is very clear that Choeun Savut is not speaking about him being a division commander, but obviously about the real division one commander. Having said that, Mr. President, let me move on to my next point. Cela dit, je vais passer à mon prochain point. Please hold on, Councillor Copper and Judge Laverne, you have the floor. Le président, Maître Copper, veuillez patienter. Le juge Laverne, vous avez la parole.
Whom are you referring to, Counsel Copé, when you're speaking about the person who interviewed the witness who is here in the courtroom today? Are you referring to Ted Sambat or to Rob Lemkin? Both of them worked together. Réponse, les deux ont travaillé de concert. This witness. Listen, Counsel Copé. Autant que je sache, as far as I know, que, les I believe that the video excerpts that were dernier, screened last Thursday une réunion qui a eu lieu en Thaïlande, concern a meeting that took place in Thailand. And regarding this meeting, it appears to me that the witness said that Rob Lemkin was not present. So I do not know how you can say that Rob Lemkin interviewed this witness. So can you please clarify? Maître Copé. I'm not entirely sure, Mr. Witness, what exactly you said about your cooperation with Sambat and Lemkin, but let me ask you to be very clear. Can you tell us how many times you accompanied Lemkin and Sambat on their trips, if at all? Sur ce voyage, si jamais were vous y avez you participé, ever et vous-même, by one of them? Avez-vous jamais été interviewé par l'un d'entre eux? He never interviewed me. Réponse, il ne m'a jamais interviewé. However, he went together with Ted Sambat. Toutefois, when we went to Thailand. Il est allé avec, il a accompagné Ted Sambat lorsque nous sommes rendus en Thaïlande. If I could just bring to Your Honor's attention, Mr. Copa's attention, in regards to his theory that the person that Ted Sambat and Rob Lemkin interviewed, end quote, on page 106 of Behind the Killing Fields, de Behind the Killing Fields, et que cette personne était Choeun, number 6336, on the OCIJ list. Sur la liste du BCJ. My counsel may also refer to document D108/26.86 at English, /.0087364 number 110 on that list of the persons prisoners smashed on 18 October 1977 was Choeun. So I guess counsel's theory is that they interviewed a man who was killed in S21. Je crois qu'il s'agit I think the movie was made long after 1979. Et le film a été tourné après 1979. A bit attention as to what I actually said. I know that also Lemkin and Ted Sambat cannot interview Lemkin people who are dead. Ted Sambat ne peuvent pas interroger les morts. They interviewed Chan Savut. Ils ont interrogé Chan Savut is the head of the Savut, hospital le directeur de l'hôpital in the region Battambang, according to the book. That's correct. D'une région Battambang, selon l'ouvrage. Si cela est vrai. Runim Il est dit que Runim Choeun, a donné des instructions à Choeun, un commandant de division, pour que ce dernier contacte les communistes Now, thaïlandais. In the book, it's, dans l'ouvrage, that's our position, et c'est notre position, have convincing evidence for it. Nous avons des preuves not convaincantes Choeun, de cela. But ce n'est pas ce Choeun-ci, mais plutôt Choeun, le commandant de division Choeun, and that person is celui dead que j'ai évoqué, et celui-là n'est pas mort, car il figure sur la liste so, du BCJI. Obviously, Sambat and Lemkin Par have not been able évidence, to interview Sambat Choeun, n'ont who pas was the Division 1 commander. Choeun, but they interviewed Chan Savut, who in his turn referred Savut, to Choeun. And the English, that Sambat doesn't speak English, and the English writer, Gina Choeun, mixed up this Choeun with Division 1 commander Choeun. That's what happened, and to us it's crystal clear. Car Sambat ne parle pas l'anglais, il n'écrit pas l'anglais. Counsels now testify that Ted Sambat does not speak English. In the movie, he's speaking English throughout the film. Sambat ne parle pas anglais. Or, dans le film, il parle effectivement anglais. Vous avez précisé ce que vous croyez être l'erreur. Alors, arrêtons de plaider. Vous
pouvait plaider ultérieurement, les documents sont là et la Chambre peut s'effondrer. La défense, c'est ce que le procureur fait tout le temps. Et lorsqu'ils lisent les documents S21, c'est ce qu'ils font tout le temps, juge Fens. Et nous l'avons autorisé pendant quelques temps, comme vous pouvez constater, la défense. Cette objection n'était pas fondée. Monsieur le témoin, je vais revenir à ma question. Vous savez, je n'ai jamais été interviewé par Lemkin Sambat. Pouvez-vous nous dire you went with them? Combien de voyages vous avez effectués avec eux? Était-ce une seule fois en Thaïlande ou les avez-vous accompagnés dans d'autres voyages? I went with them to Thailand for one time. Je les ai accompagnés en Thaïlande une fois. And we did not go anywhere else. However, when they came to my area, they questioned me of the locations that they could conduct their shooting. Sur les lieux, and I showed them the surrounding locations where they could do their filming. Et je leur ai présenté. And after I told them, then they asked me to take them to the locations. And usually those locations were between 200 to 300 meters from where I live. Situé à 200 ou 300 mètres de l'endroit où je vivais. And that's where they shot their film. C'est à ces endroits qu'ils ont procédé au tournage du film. Accompany them anywhere else. Outre ces endroits, the only trip that je I ne made les ai with them amenés was ailleurs. To Thailand. Le seul voyage que j'ai effectué avec eux, c'était en Thaïlande. Thank you, Mr. Witness. La défense, merci, before Monsieur I le move témoin, to my last subject, avant de passer à mon dernier sujet, follow-up question, j'ai une question de suivi. In relation to, your work at the railway station, en rapport avec votre travail that the prosecution seems to à la gare be de chemin de fer in. Et qui semble intéresser le procureur. You talked about trains, vous avez parlé des trains that you offloaded. Or helped offload. Que vous avez déchargé ou aidé à décharger. Pouvez-vous nous dire were coming from d'où and for whom the cargo was meant. Et à qui les marchandises étaient destinées. In fact, I did not assist in offloading the cargo. However, I was there, I was repairing the railroad, là, and I saw the train coming from Phnom Penh direction, and it carried goods, namely cement. And people from the commerce section actually carried those cements into the warehouse. Our group did not involve in the carrying of those goods. N'a pas participé our work was to build the railroad there, and I saw what happened. À construire la voie ferrée là-bas, et j'ai for vu ce cement, qui s'est passé. Sometimes they were offloaded from le the train déchargé, wagons and des wagons upload them du train onto tracks, and the tracks were driven away. Other times, then they ever start in a nearby warehouse. Puis but just to be sure, you did not know from la défense. Which unit vous ne savez pas clairement or zone à quelle unité the goods were coming from and ou de for whom zone, they were ultimately de quelle unité ou zone provenaient les marchandises destined. Is that correct? Et à qui celle-ci était finalement destinée. Est-ce exact? I did not know about that. Réponse, non, je ne savais rien. Yes, and now, Mr. President, I suppose we have to Monsieur le Président, close the doors je suppose que nous pouvons passer au huis clos, an excerpt from, car je vais passer the testimony of, un extrait TCW, de la déposition 10,000, de TCW, 600 something. 10,600 quelque chose. President, le président, the chamber will proceed with the in-camera hearing. Maybe you need please disconnect audio and video clos, to the public gallery as well as to the press l'image room. Et le son dans la galerie du public et dans la salle de presse. Staff members of the EECC via internal distribution. Except et those staff who are involved directly with the proceedings. Par distribution interne.
who should be entitled to see and hear what is going on next. Councillor Witte-Koppe, you can proceed. Vous avez la parole. Yes, thank you, Mr. President. Maître Koppe, merci, Mr. Witness, is my understanding correct that you had nothing to do with the execution of former Lonol soldiers or officials des anciens soldats at a place close to Pursat, à un endroit called situé près de Pursat. Appelé Tall Paul Tray. That is correct. I did not know about that. Non, je ne sais rien. C'est exact, je ne sais rien à ce sujet. I said that I did not know because I remained living in Battambang area and even after I returned, I did not know what had happened. Et même lorsque je suis rentré, j'ignorais toujours ce qui s'est passé. I only heard of its name, but I have never been there. J'entendais uniquement le nom, mais je n'y ai jamais été. My second question, Mr. President, although I believe it's question, outside of the Monsieur jurisdiction of this chamber, I will nevertheless confront the witness with tribunal, question and answer 170 in témoin, la testimony of TCW 2TCW 1066. This question is answered in WIE 3/10683. It's the testimony of a d'une déposition soldier in Battalion 35 in the Bakan District Division. Division du district and de Bakan. He says the following, and let me read out. Je vais donner lecture. The complete excerpt. L'extrait, lecture de l'extrait dans sa totalité. That was different. He's talking about burying corpses in a pit. De l'enfouissement des corps dans des fosses. We used hose to move the earth to bury the corpses. Pour transporter la terre that et was different corps. From what they had done de ce qu'ils at Tulpo Tray. Là-bas, I heard that they used the bulldozer to dig the pit and move the earth to bury the corpses. Et transporter la terre. As for the story at Tulpo Tray, you can go ask Chim Chun about it because he was a sector soldier and he was one of the soldiers who had taken people to be killed here. Qui a amené les gens là-bas pour les exécuter. Mr. Witness, I'm not entirely sure if Monsieur le témoin, because of the original Khmer version. Je ne suis pas totalement but, certain à cause this de la version particular cadre en seems Khmer, to suggest that you were involved en particulier semble suggérer in que vous étiez impliqué à Tulpo Tray. À Tulpo Tray. Pouvez-vous réagir à cela? I myself did not have anything to do with the Tulpo Tray. Personnellement, je n'avais rien à voir avec Tulpo Tray. Even at present, I do et not know its exact location. Je ne sais pas où cela est exactement situé. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Witness. La défense. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le témoin. Le président. Thank you. And every unit, please reconnect the audio video to the la public gallery and to the press room. Veut bien reconnecter we proceed le son in et a public hearing now. Dans la galerie du public et dans la salle de presse, car nous retournons à la publicité des débats.
Président, j'aimerais passer la parole à présent à l'équipe de défense de Choeun Sampan. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Simplement pour indiquer que, fidèle à la position que nous avons exprimée au moment de des questions posées par Monsieur le juge Laverne, justement, il y a très peu de proximité entre ce témoin et le procès 02 de Bardeux. De ce fait, nous n'avons pas de questions supplémentaires. Witness and case 002/2. Therefore, we have no questions to put to this witness. President, thank you, Councillor. The President. And Mr. Choeun, the Chamber is grateful of your testimony. It is now the conclusion of your testimony, and we hope that your testimony may contribute to a settlement of the truth in this case. You are now excused, and you may return to your residence. We wish you all the very best. And Sok Sojita, the Duty Council, the Chamber is also grateful of your assistance. You are no longer required to be present in the courtroom. Court officer, please work with Visu to arrange Mr. Choeun to return to his residence or wherever he wishes to return to. It is also now appropriate for our lunch break. The Chamber will take a lunch break now and resume at 1:30 this afternoon to continue our proceedings. Security personnel, you are instructed to take Choeun to the waiting room downstairs and have him return to attend the proceedings this afternoon. Après-midi, before 1:30, the court stands in recess. 13:30, suspension de l'audience.